Le tour de Côte d'Ivoire, tour de la réconciliation, ne s'arrêtera pas, comme annoncé hier, pour des raisons de moyens. En effet, des incompréhensions de communication ont poussé le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Alaa Kwame, à annoncer l'arrêt brusque du tour de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Le ministre des Sports, Alain Le Bougnon, à travers l'État de Côte d'Ivoire, a réagi positivement aux inquiétudes liées au tour de Côte d'Ivoire, tour de la réconciliation, confirmation du président Alaa Kwame. Je suis heureux de vous dire aujourd'hui que la situation s'est décantée, dans la mesure où très tôt ce matin, Monsieur le ministre des Sports m'a appelé pour me dire que les fonds seraient disponibles, sont à notre disposition pour nous permettre de poursuivre notre activité. Nous avons avec nous ici des étrangers qui sillonnent la Côte d'Ivoire avec nous. Nous faisons le tour de la réconciliation. Il ne serait pas normal que ce tour s'arrête en chemin. Ce jeudi 3 octobre 2013, le Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation, sera à sa sixième étape. Bouaké, Sakassou, course contre la montre individuelle.